Putain, c'est où ces ennemis là? T'es fou des gains, sérieux? Ah, c'est quoi ce game de fatigué là? Bonjour, je viens de voler votre jeu, ça vous Bonjour. dérange pas? Non, vous pouvez y aller. Par contre, est-ce que vous pouvez me faire un chèque de caution, s'il vous plaît? Oui, ça ne me dérange pas. Mais combien? 400? Non, je vais dire 180, j'ai pas fait un bon mois. D'accord, ça va. Au nom de qui? The Mister Gamer, s'il vous plaît. Ok, bah tenez, je vous offre Ah, le bah, stylet, merci, le merci, c'est stylo. gentil, merci, merci bien. Au revoir. Merci, au revoir. Par contre, vous voulez jouer à mon jeu? Oh, ben oui, pourquoi pas? Ok, Je vous ai je vous juste laisse à la place. Encouragé. Allez-y, allez-y. Allez. Voilà, allez-y. Allez-y. Je me mets là, je vous regarde jouer. Voilà. Oh, Voilà. C'est là pour avancer et là-bas, voilà. Continue. Oh, ben voilà, ça commence bien. On Voilà. commence à faire un petit kill. Voilà. Il s'agit de Warface. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger directement sur la page internet. J'en ai rien à foutre, je ne suis pas très jeu vidéo. Ah, d'accord. Je suis plus vol de jeux vidéo et Ah, donc recel vous en voulez... fait. Alors vous volez pour eux maintenant, en fait. Pas Oui, pour les jouer. voilà, D'accord, je suis en manque d'argent. Ça explique tout, voilà. Yo tout le monde, c'est TheMister Gamer et je me retrouve accompagné d'Anthony. Salut tout le monde! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte du jeu Warface. Alors, qu'est-ce que c'est Warface? C'est un Battlefield! C'est pas du tout un Battlefield, c'est un FPS free to play, s'il vous plaît. Ouais, tu payes pour gagner quoi. Tu payes pas. Free to play, c'est-à-dire qu'il est gratuit. Oui, mais alors, il n'y a pas des armes un peu payantes ou un truc. Il y a des trucs que tu peux payer avec de l'argent que tu voilà. gagnes en passant des niveaux. Ouais. Voilà. Alors, donc, c'est un jeu FPS free to play. Alors, il n'y a pas que massivement, il est massivement multijoueur, mais pas multijoueur comme on l'entend, c'est-à-dire qu'il y a aussi des missions coopératives. Voilà. Donc, des missions pas solo, coopératives, des missions principales, peut-être si vous voulez, ça comme ça. Mais c'est de la coopération, voilà. On va se retrouver donc pour une mission. Coopération. Ça va être chaud bouillant. Hein. Ah non, ça va. Il n'y a pas d'ennemis. C'est des ennemis en carton. C'est des. Ah oui. Voilà, comment... Non, mais la mission qu'on va faire, c'est chaud bouillant. Quoi. Oh non. Ah d'accord. Oh, c'était nul. Oh, c'était pourri. Je sais pas, c'est écrit comme ça. Ah, oh, c'est pourri. C'est écrit chaud bouillant là. Alors, ça fait un jeu de mots parce que la mission. Ah, tu m'avais senti ça lors du premier rec. Hein. Ah. Je te remercie. Ah. Je te pique ta blague de merde. C'est nul. Non, moi j'avais dit qu'avec on ne ferait pas un bouillon chaud. Un bouillon chaud. Un bouillon. Un cube de cubord. Voilà, donc on se retrouve dans le salon de la partie. Donc vous voyez, on peut choisir plusieurs classes. Il y a 4 classes. Le sniper, l'ingénieur, l'infirmier et le fusilier. Le fusilier. Donc le fusilier qui fusille, bravo. Le fusilier qui fusille, évidemment, comme tous les autres. Le fusilier qui pourra donc avoir la compétence de donner des munitions à soi-même et à ses collègues. L'infirmier qui peut donc réanimer les morts et soigner les blessés. L'ingénieur qui lui va pouvoir... L'ingénieur qui lui va pouvoir soigner le blindage. Et le sniper qui n'a aucune compétence. Tiens, tu as un pinceau aussi. J'ai pris la barre du haut. Tu as un pinceau ouais. Allez, un pinceau. Ouais, non, lâche tout, ça commence, allez. C'est quoi? Je te tout. Alors, je ramasse tout. D'accord. Nous sommes dans l'équipe des Warface, d'où le nom du jeu. Et là, nous devrons en fait compléter les différentes missions, comme par exemple celle-ci qui est en fait tout simplement de détruire une sorte de centrale nucléaire. Voilà. J'ai peur de ce qu'il fait lui à côté, je l'ai vu partir et revenir. Attends, je suis un mec, je regarde ce qu'il fait. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je suis le mineur de Minecraft. Alors ça, tu vois, c'est le casse-couille qui est à côté de toi quand tu essayes de jouer parce qu'il s'ennuie, il sait pas quoi faire. Alors du coup, ah, tu vas me faire mal, arrête. Regarde, il y a des ennemis là, là, il y en a là. Bah, mets la pioche devant l'écran, sinon. Oui, là, regarde, là. Casse-toi. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi j'invite rarement Ranto chez moi, hein. Ça finit toujours comme ça. T'as idée où lui? C'est-à-dire que je viens souvent chez lui. C'est la troisième fois seulement. Oui, voilà. Alors, l'interaction viens... avec le décor, on peut par exemple sauter par-dessus les obstacles. On peut également. Alors là, je crois que j'ai zappé l'endroit où c'était, mais on peut s'entraider pour sauter les obstacles plus haut. C'est-à-dire, par exemple, vous savez, quand vous mettez la main voilà, comme ça, le mec il met son pied, il monte, et après il prend la main, il vous hisse, voilà, sur un objet en hauteur. Pour le marche-pied. Voilà, le marche-pied, que vous pouvez pas. Dans un endroit où vous ne pouvez pas. Accéder de base tout seul, voilà. Alors, vous avez des commandes
par exemple, avec F1, F2, F3, F4, pour par exemple demander des munitions, du blindage, de la frontière, suivez-moi, regroupement, continuez à avancer, en avant, repliez-vous, négatif, affirmatif, etc. etc. si ça, cela, voilà. Donc, ça incite vraiment à utiliser les fonctions de coopération, d'entraide, tout ça, voilà. Okay, donc, lui, par exemple, il a besoin que quelqu'un l'aide, donc hop. Et hop là, voilà, vous voyez. Et là, ils sont là-haut et il a gagné un bazooka. D'accord. Voilà. Qu'il n'y aura pas besoin pour cette mission puisqu'il n'y a pas de véhicule à détruire. C'est pas mal. En fait, des fois, il y aura des hélicos, des fois, il y aura. Bon, s'il veut détruire des gens. Ouais, des snipers, des busquets, des snipers à distance. Ouais. Oh, gros bâtard. Oh non, ça c'est salaud. Des fois, on pourrait détruire des hélicos. Alors, bonne chance pour les détruire parce que franchement, ils ne s'arrêtent pas. Ils se stabilisent pas, voilà, ils font que avancer, reculer, aller à droite, à gauche, en haut, tout ça. Donc, du coup, pas chaud avec ça, toi ? Donc, bonne chance pour détruire les hélicoptères. Voilà, vous aurez des véhicules, des camions à détruire. Et voilà. Mais je vois ton nom derrière moi, c'est juste assez pour me perturber. Alors, attention, ne faut pas tirer sur vos alliés car il y a le tir allié qui est activé. Et je vois un sgeg derrière moi avec son angle qui fait une sorte de ventilation derrière moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais maintenant au pire avec lui. Donc là, il y a d'autres différents ennemis. Il y a par exemple les mecs qui ont des boucliers. Il faudra donc les contourner pour ça. On va passer par les côtés. Voilà, donc par exemple, voilà, on est obligé de l'affronter de front malheureusement. Voilà, il est mort. Mais on peut jeter des flashs, des grenades pour les avoir, les soigner. Hop, lui m'a donné, je crois, des munitions. Voilà. Depuis le temps que j'en voulais. Ouais, voilà. C'était un depuis tout à l'heure. Ouais, alors des munitions, on en obtiendra à chaque fois qu'on arrivera dans un checkpoint. On fera le point de plein de munitions, de santé, de blindage. Les morts seront en vie. Par exemple, lui il est mort, on peut pas le soigner sauf s'il a un jeton de réanimation. Parce que là, moi je suis pas infirmier donc je peux pas l'aider et apparemment il n'a pas de jeton de réanimation, du coup il est mort, lui il me tire dessus ce con. Voilà, donc là hop, on active ça, sinon les ennemis ils arrivent tout le temps. Et là voilà, on a détruit donc on a détruit le générateur. Voilà, il va se détruire dans quelques instants. Et on en aura fini. Cette mission, il faudra ensuite retourner à l'hélicoptère pour tout simplement. S'extraire et finir la mission. Voilà. Oui. On aurait dit que je faisais de l'électronique. Non, j'ai une musique d'électro, ça faisait. Je sais plus, j'ai oublié. Voilà. Non, je faisais genre. Hein? Tata. Mais je ne saurais pas refaire. Donc là, il y a une grosse toile d'araignée dessous. Ah, il y a une grosse toile d'araignée. Eh ouais, tu vois. Oh ouais. Oh, casse-toi, salope, shit, merde. Va te faire foutre, connard. Oh, je vais laver. Deux. De vite. Non, j'ai pas de mini bite. Non, non, non. J'ai pas de mini bite. Je vois pas de quoi tu parles. C'est que j'aime vraiment. Non, le truc de Kinder Pinguin. Oh, Kinder Surprise. Voilà. Eh, hey, je t'ai fait avancer. Bah vas-y, continue. Voilà. Vas-y, allez, rends fou là, c'est pas quoi faire. Ah, là, tu m'as tiré dessus. Ouais, il voit que tu fais con, ça. Il est mort, il a tué, non. En fait, je pense qu'il voulait te viser, toi. Je pense. Il a dû passer sans pression. Oh, il fait le con, je vais le tuer. Voilà, ça. Bon, bien voilà, voilà. Donc, moi je suis derrière là. On me voit pas avec son biped là, de merde là. Ouais, c'est voilà, on peut choisir son personnage lorsqu'on débute le jeu. Moi j'ai choisi lui, voilà. Et donc, on gagne des niveaux, de l'expérience, des niveaux. Voilà. Bah, voilà. Là, on peut s'arrêter là, non Oui, nous allons quitter là. Nous allons quitter là. Nous allons nous quitter là. Et je ferai sans doute une prochaine vidéo pour. Le multijoueur qui a différents modes de jeu comme on peut le voir ici, mais ça sera dans une prochaine vidéo sans Anto. Voilà, c'était la seule qui me fait trouver en haut, désolé. Voilà, et oui, je sais, Marie me tombe à l'eau. Non, je déconne. Marie me tombe à l'eau. En fait, j'ai une blague avec à l'eau.
Vas-y. Si par exemple je prends la boîte du jeu de Halo, que je la retourne. Ouais. Et que je la mets derrière moi. Ouais. Oui. Halo sera à l'opposé. Ta gueule. Ta gueule. Stop là. Entre toi et Lipo, oui Texon, je pense c'est que. Pas moi, c'est pas moi qui ai inventé la blague, hein, c'est sur internet que j'ai vu ça. Oui, ben. Halo. Ne la Allez, une dernière blague avec Halo, même si ça n'a rien à voir avec le jeu, mais. Par exemple, on dit, quand tu dis Dieu ordonna à Coca de coller Coca-Cola, par exemple. Ouais. Par exemple, on dit Dieu demanda à Halo de payer. Mmh. Et Halo. Paya. Paiera. Mmh. Halo paiera. Arrête la drogue! Tends ta nuque, s'il te plaît. Tends ta nuque. T'as quel sens? Je l'attends derrière. Non, l'attends comme là. Ça, mets-toi là, là, vers là. Baston! Aïe! Merde, Dieu! Allez, loupé. Bon, ben, c'est sur ce magnifique. C'est sur ce français. Magnifique n'importe nawak que nous allons nous quitter là. Ouais. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. C'était The Mr Gamer. Abonnez les studios, bonne allez, heure. Salut. Ouais, salut, ça fait tous les supplé. Il est mort. Il est mort, il est là-bas. Allez, salut. Bon, sérieusement, c'est. Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, okay, là, on a vu son joli cul. Ouais, tu l'aimes bien, je sais. Bon, allez, plus sérieusement, on va se laisser là. C'était The Mr Gamer. Et Anthony, allez, Sébastien le boss. Ouais, c'est. Oui, c'est moi. Comme vous le voyez, à l'image, sur la photo, Anthony n'en est pas aveugle, comme vous pouvez le constater, et il va très bien, il n'a pas de canne blanche et de lunettes. Ah voilà. Oui, hein, sur la photo voilà. Que je ne citerai pas, hein, voilà. D'ailleurs. Voilà, regarde bien la caméra en face. Oui. Yeah. Merci, maintenant je peux te rajouter les lunettes bien poil dans l'axe. Et tu vois bien mes lunettes bien comme il fallait et tout. Voilà. Il est beau le compas. Allez, c'est Mr Gamer et Anthony. Ah oui, studio. Allez, salut. Aïe. Il est passé. Allez, vite, il faut. Oui. Non, me tue pas. Non ouais. Bonjour monsieur, je viens bonjour. Vous emprunter les jeux. Donc, non, je vais me les voler, pas les emprunter. Tu viens pas me les emprunter, tu viens me les voler. En effet. Je vous laisse le chèque ici, plus le stylo, c'est gratuit. Merci monsieur, c'est gentil. Au revoir. Bonjour, c'est... je viens voler vos jeux, bonjour. Ça vous danse. Non, par contre, est-ce que vous pouvez me faire un chèque de caution, s'il vous plaît? Oh, ben oui, y'a pas de soucis, hein, mais ce que j'ai pas de chèque, bonjour, vous pouvez faire un chèque, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous avez oublié votre chèque, votre chèque. Ah, mais c'est vous qui étiez passé la dernière fois, c'est pour ça que j'avais oublié, mais tiens, je vous le rends, putain. Ouais, maintenant, vous pouvez faire un chèque. putain, mais sans où les ennemis, là? Putain, sérieusement. Qui c'est celui-là? Alors, c'est un allié. Bonjour monsieur. Oui bonjour. Ça vous dérange pas que je vous vole? Non. Je peux vous faire un petit chèque de caution? Non, c'est moi qui dois le dire. Non mais putain. Je vais te suivre. Mais oula. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi je rigole? Parce que j'ai dit oula oula. Par contre, est-ce que vous pouvez me faire un chèque de caution, s'il vous plaît? Oh oui, y'a pas de soucis. De combien? 400. Oh, je vais dire 180, j'ai pas fait un bon mois ce mois-ci donc. Fait un bon mois ce mois-ci. J'ai pas fait un bon mois ce mois-ci. Oh oui, ça n'arrange pas, de combien? De 400, c'est vrai. C'est sérieux là? J'ai mal au cou. C'est sérieux. T'es trop grand. T'es trop grand pour moi. Ma gueule, t'es trop grand pour moi. Je suis mort. Tu veux que je fasse ça dans mon épaule, je vais faire ça. Il y en a un qui est venu.